31 ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous et bon dimanche. Un dimanche qui commence dans le gris avec de la pluie, une température extérieure à 8-9 degrés, une température de l'eau à 12 degrés, une marée qui est en train de finir de monter. Le plein eau est à 10h10, des coefficients de 63. Surprise ce matin avec le vent qui est au sud, soutenu. Quatre beaufort établis, pas plus. Clapot, un peu de mouton sur le large, phase de vague assez lisse. Et une autre surprise, c'est la taille des vagues, puisqu'on a une houle qui est longue de 11 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest, qui n'est pas jolie, certes, qui est multipique, qui est en hausse aussi, mais beaucoup plus petite que prévu, puisque les plus grosses séries culminent à 2,50 m, pas plus, quand il n'y a pas les séries, à 2 mètres. Donc à la Cano, c'est en vrac, c'est agité, c'est tordu, c'est pas joli, pas vraiment surfable. Mais il y a une option pour les spots de repli, puisqu'on a marée haute et vent de sud ce matin. Il y a des vagues agitées là-bas aussi, mais beaucoup plus petites et beaucoup plus faciles d'accès. Donc pour les surfeurs motivés, ça représente le seul créneau de la journée, car l'évolution est-elle beaucoup moins favorable. Un train d'houle qui devrait rester à peu près stationnaire jusqu'à ce soir, ça va être kiff-kiff bourricot. Et le vent onshore, lui, va se renforcer à la mi-journée avant de fléchir un petit peu en soirée. La bouée arcachant roue coule dans les 4,50 m et 8 secondes. Donc à 9h encore 2,50 m, ou d'ouest à ouest-nord-ouest en seconde de période, vent d'ouest 6 à 7 Beaufort, et à 17h encore 2,50 m, ou d'ouest à ouest-nord-ouest en seconde de période, vent d'ouest 5 à 6 Beaufort, des vagues agitées. Pour le reste de la journée, le seul créneau pour surfer, c'est donc ce matin sur les spots repliés. Je vous souhaite un bon dimanche et on se retrouve à 11h30 pour le prochain bulletin. A tout à l'heure, merci.